Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un événement, une sortie exceptionnelle. Oh là là, oui non vraiment, ça fait... Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo parce que ça signifie que je suis presque au bout de tous ces efforts. Je sors aujourd'hui ma nouvelle formation qui va vous permettre cette fois-ci pas de monter de meilleures vidéos mais tout simplement de tourner de meilleures vidéos. Oui, c'est complémentaire à celle que j'ai sortie il y a quasiment un an jour pour jour. Alors j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, s'il vous plaît ne scrollez pas à différents moments de la vidéo. Je vais essayer de le faire de manière concise mais il y a beaucoup de choses. Je vais vous décrire un petit peu ce qu'on peut retrouver dans la formation, évidemment il y a déjà tous les liens en description. Et aussi la petite spécificité c'est que j'ai un énorme cadeau à vous faire gagner en même temps, ce dont je suis plutôt content et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ça en plus. Déjà, pour résumer, il y a un an, j'ai tout simplement sorti une formation au montage qui dure à peu près 3 heures où je vous apprenais tout simplement à faire un montage de A à Z à ma façon sur Premiere Pro. Formation qui a extrêmement bien marché puisqu'il y a plus de 450 personnes inscrites avec une note moyenne de 4,7 sur 5. Ça a vraiment plu à énormément de gens et j'ai eu beaucoup de retours positifs et vraiment c'était... Ça va vraiment au-delà du tuto, là c'est vraiment c'est un contenu pour lequel les gens payent, ce qui est normal puisque bah, je donne vraiment tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur les années, etc. au fur et à mesure de mon expérience. Ils sont hyper contents de la formation, envoient des messages, etc. Enfin bref, un énorme soutien. Donc déjà merci à tous ceux qui se sont inscrits dessus et qui du coup ont été ravis, qui m'ont envoyé des messages, etc. Ça faisait vraiment plaisir. Et quoi de plus logique du coup que tout simplement de faire la suite, enfin plutôt le préquel, c'est-à-dire que... Je vous ai appris à faire les montages à ma sauce, et ben maintenant, il est temps que je vous apprenne à tourner des vidéos à ma sauce, à ma façon, selon mes méthodes, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise comme concept. Et il y a tellement de choses à dire que ce fut vraiment difficile de tout condenser. Là où avant, sur l'ancienne formation, en comptant dans les bonus, etc., qu'il y avait, j'étais à peu près arrivé à 3 heures de vidéos à vous donner. Aujourd'hui, dans ces nouveaux modules, cette nouvelle partie entière que je sors, on est à peu près 6 heures de contenu, ce qui est énorme, ce qui a demandé beaucoup de temps. J'ai même fait un voyage dédié pour cette formation, je suis allé en Bretagne avec Paul et Sophie pour qu'on puisse tourner des modules sur place, pour que je puisse tourner plein de plans d'illustration pour illustrer mes propos et aussi faire une vidéo de voyage qui est sortie la semaine dernière exactement, que j'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé. Le but était de tourner une vidéo en France, dans un coin qui est totalement accessible à quasiment tout le monde, enfin personnellement c'est à 3 heures de chez moi, n'importe qui en voiture peut y aller facilement, et c'est un voyage qui coûte vraiment pas cher. Et le but était de vous montrer qu'on pouvait faire une vidéo qui claque, parce qu'en vrai elle est quand même plutôt pas mal, dans un endroit au final pas si loin de chez vous, et c'est un principe que je vais appliquer dans cette formation au tournage, de vous montrer qu'avec tout ce que je vous inculque, et avec de la pratique vraiment, on peut aller tourner des vidéos cool dans plein d'endroits, il n'y a pas besoin d'aller faire un vlog sur la muraille de Chine pour faire une vidéo cool, vraiment, la France ça suffit, et ça tombe bien puisqu'en ce moment c'est plus facile de rester en France et de voyager en France que d'aller... au-delà des frontières, clairement. Bref, maintenant la grande question, c'est qu'est-ce que vous allez trouver dans cette nouvelle formation au tournage et à qui elle est dédiée. Donc il y a environ 6 heures de contenu, c'est vraiment énorme. Je vous donne les gros modules et à chaque fois, il y a entre 3 et 10 petits sous-modules, des petites séquences qui durent de 5 à 15 minutes suivant le modèle. Dans le premier module, je parle un peu de la préparation avant de partir au tournage, comment bien préparer son voyage en amont, comment bien préparer son matos, des astuces pour passer l'aéroport plus facilement, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas oublier quand on part à l'étranger, et plein de petites choses vraiment qui vont vous aider en termes de logistique. Je parle aussi du matos dans les conditions climatiques extrêmes, pluie, poussière et surtout le froid, froid extrême. On apporte brièvement des alternatives pour parler du matos pour les gens qui n'ont pas trop de budget. Pour suivre cette formation et en bénéficier pleinement, honnêtement, c'est idéal que vous ayez un petit appareil photo qui filme, un petit hybride. Honnêtement, pas forcément quelque chose d'incroyable, vraiment. En soi, vous pouvez juste avoir un smartphone qui filme correctement. Je l'ai démontré il y a pas longtemps en faisant un partenariat avec Oppo qu'on peut faire une vidéo cool juste au téléphone. Et il vous suffira peut-être d'acheter un tout petit gimbal à 50-100€ maximum et vous serez vraiment équipé déjà pas mal. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir du gros matos pour suivre la formation, vraiment pas. Et au pire, c'est beaucoup de notions théoriques que vous allez pouvoir appliquer si vous n'avez pas encore le matos mais que vous comptez l'avoir. Le but est vraiment que ce soit pour tout le monde, peu importe le matos. Dans un deuxième module, pendant pratiquement une heure, on va parler d'exposition. Donc le triangle d'exposition, comment bien exposer, la balance des blancs, les filtres ND, les zébras, le meilleur mode de prise de vue, plein d'astuces pour jouer avec la lumière du soleil, la lumière naturelle. Ensuite, on va parler d'objectifs, mise au point, profondeur de champ, les capteurs un petit peu, et les focales. Ensuite, on parlera un petit peu de format d'enregistrement, de codec et de profil de couleur, le log, le flat, profil dans votre caméra, comment obtenir un rendu vraiment bien pour jouer un petit peu sur la colo, mais directement en interne dans le boîtier sans avoir un boîtier de fou. Ensuite, on passera à une partie un peu plus adaptée, un peu plus appliquée au terrain. On parlera de cadrage, des différents types de cadrage, surtout de la composition de votre image, comment bien composer votre image ou placer le sujet, etc. pour avoir de belles images, pour avoir un beau rendu esthétique. On parlera ensuite des différents mouvements de caméra et des différents outils que moi j'utilise, comment je filme à la main correctement, comment je stabilise mes plans, comment j'utilise les ralentis, comment j'utilise mon gimbal. Donc voilà, encore une fois, je parle beaucoup de film à la main, donc pas besoin d'avoir un gimbal ou quoi, hein, vraiment, mais même si vous en avez un, bah, c'est un peu mieux, mais il n'y a pas besoin obligatoirement. Il y a aussi plusieurs fois des mises en situation où vous allez tout simplement me voir filmer des extraits de la vidéo de Bretagne que j'ai sorti la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, ça vous donnera un bon contexte sur ce que je peux vous apprendre à faire dans cette formation. Ensuite, je vous ai fait une analyse complète justement de la vidéo de Bretagne où je prends chaque image et j'explique la composition, les mouvements, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, ce que ça donne visuellement et ce que
que ça apporte. Et ensuite, il y a un module entier sur les transitions, que ce soit les transitions à faire sur le tournage et les transitions à faire sur le montage. Ensuite, je parle un petit peu de mes quelques conseils rapides sur pour la prise de son, notamment pour des vidéos de voyage quand vous êtes sur le terrain. Je parle aussi un petit peu de ma méthode pour faire le backup et pour ne jamais perdre les fichiers. Et ensuite, un truc que je trouve plutôt cool que j'ai ajouté, c'est tout simplement de parler un petit peu de la psychologie autour du tournage. Pas forcément juste parler des principes d'exposition, des caméras, de cadrage. S'adapter aux situations et aux endroits où on se trouve, filmer en public, comment filmer des inconnus, comment diriger quelqu'un, que ce soit un ami ou quelqu'un qui est plus un vrai modèle, gérer le stress et les imprévus en voyage pour éviter vraiment de trop stresser tout le temps. Bref, plein de petites choses qui avaient plus une approche un peu plus psychologique et que je trouvais cool d'ajouter. Donc voilà un petit peu le contenu de la formation, il y a vraiment beaucoup de choses et encore une fois ça s'adresse à tout le monde, soit tous les principes d'exposition, de cadrage, les mouvements de cam, la composition, ça s'applique à vraiment tous les types de vidéos en général, c'est juste qu'il y a un ou deux modules qui sont plus spécifiquement liés à la vidéo de voyage tout simplement. Ne partez pas tout de suite, je ne vous ai pas encore révélé le cadeau incroyable, ma précédente formation montage était mise en ligne sur Udemy, qui est un site où il y a plein de formations, mais je n'aime pas du tout leur politique, on ne maîtrise pas grand chose en tant que créateur postant sur Udemy, du coup j'en ai eu marre, et je me suis associé avec deux potes à moi qui ont créé leur boîte et qui veulent aider des créateurs comme moi à mettre en ligne leur formation, et surtout ils m'ont fait un site web dédié, donc j'ai mon propre site web à moi, avec le détail de la formation etc, des packs en plus de clips etc que vous pouvez prendre, bref il y a plein de choses, et c'est vraiment mon propre site, ça passe par des plateformes totalement sécurisées, mais justement c'est vraiment cool parce que j'ai un contrôle complet sur le site, je perds pas d'argent dans les pourcentages, je donne pas d'argent à Udemy, et c'est vraiment une méthode que je trouve beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable. La petite chose que j'ai fait, c'est que j'ai combiné la formation montage avec cette nouvelle formation en tournage, plus encore plein de bonus, ce qui fait qu'on est en presque 10 heures de contenu en tout. Il y a une quarantaine, voire cinquantaine de clips en 4K en slow motion offerts, plein de bonus, des breakdowns de publicité. Je vous laisse aller voir sur la page après. Il y a tellement de choses en contenu. Mais comme je sais que certains d'entre vous se sont déjà, et je vous remercie encore, inscrits à la formation au montage, je vais pas vous faire repayer pour un pack complet, même si le prix pour avoir les deux est très avantageux. Du coup, il y aura un deuxième lien dans la description où vous pourrez retrouver un pack uniquement avec la formation en tournage, du coup qui complétera la formation montage que vous avez peut-être déjà vue. Je vous ai fait une super belle offre de lancement qui combine les deux packs. Il y a un paiement disponible en 3 fois sans frais pour ceux qui le souhaitent. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai un très beau cadeau à vous faire gagner. Il est juste ici, juste là. Cette offre de lancement, elle est disponible de aujourd'hui, le 10 septembre 2020, jusqu'au 24 septembre 2020. Vous avez 14 jours pour bénéficier de l'offre de lancement. Et surtout, tous les inscrits entre le 10 et le 24 septembre rentrent dans un tirage au sort pour gagner. Roulement de tambour. Un pack vlogger Nikon Z50. Donc déjà, énorme big up à Nikon pour m'avoir permis de vous offrir ça, c'est incroyable. Mais c'est vraiment un petit boîtier très cool, idéal pour faire du vlog, mais idéal pour filmer des petites vidéos de voyage, et surtout il prend pas de place du tout. Je tirerai au sort à la fin des 14 jours une personne qui s'est inscrite, et je lui enverrai ce même carton qui est ici. Et ce cadeau est d'une valeur de 1200 euros, donc... C'est quand même un beau cadeau. Merci encore Nikon de m'accompagner sur cette sortie. Et je suis trop content du coup de pouvoir faire un énorme lot en plus pour simplement remercier l'un d'entre vous qui s'inscrira. En plus de ça, il y a encore un truc qui est vraiment hyper cool. Et c'est qu'à partir de maintenant, tous les inscrits auront accès à un groupe Facebook privé où on sera en tout petit comité, donc juste les petits inscrits entre nous, où vous pourrez tout simplement poser vos questions, où on pourra interagir, vous pourrez poster vos vidéos, ne postez pas toutes vos vidéos s'il vous plaît, mais vous pouvez poster la vidéo dont vous êtes le plus fier, pour que tout simplement il y ait un échange qui se crée. Je serai bien sûr hyper actif, je répondrai aux questions, je pourrai regarder vos vidéos, vous poster dessus, mais le but c'est aussi que tout le monde interagisse dessus, qu'on crée une petite communauté juste à nous, qu'on puisse éventuellement se rencontrer, et voilà, le but c'est de créer un petit groupe, une petite communauté bien soudée, et surtout que vous puissiez aussi rencontrer d'autres gens dans votre région qui sont passionnés aussi, peut-être que vous avez envie de filmer avec des gens mais que vous connaissez personne, c'est peut-être l'occasion parfaite. Donc voilà, petit bonus en plus, vous avez accès à une nouvelle communauté et c'est vraiment cool. Donc bref, si vous souhaitez vous lancer dans la vidéo, c'est vraiment le moment. Il y a la formation au tournage complète. J'ajouterai d'ailleurs plus tard une formation sur les bases de Premiere Pro. Et ensuite, il y aura ma formation au montage. Donc il y a un package énorme, ça fera plus de 10 heures de contenu avec plein de bonus, des clips offerts, l'accès au groupe Facebook privé. Enfin bref, c'est une offre imbattable, vraiment littéralement. Je vous me défie de trouver mieux. Et du coup, vous pouvez apprendre toute la théorie sur la vidéo, de comment je fais mes vidéos en voyant des analyses, des mises en situation sur le terrain. Ensuite, vous pouvez apprendre à comment je fais mes montages. Et les bases aussi de Premiere Pro, enfin bref, il y a tellement de choses que là ça ferait trop long de juste les décrire, mais je vous laisse aller sur la page et tout y sera écrit. Et bien sûr, pour cette formation de tournage, si vous êtes déjà quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mais qui est pas sûr de tout ou qui veut savoir quelques trucs en plus, vous pouvez totalement vous inscrire, parce que soit ça va consolider certaines de vos connaissances, vous en apporter de nouvelles, ou tout simplement vous apporter mon point de vue, mes méthodes sur certaines choses, mon approche, ce qui peut être fortement intéressant, puisque ça fait quand même 3 ans que je fais de la vidéo de voyage et c'est mon métier en gros. Et même si vous vous intéressez à la vidéo en général, c'est franchement une aubaine. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin lancer ça fait vraiment
vraiment longtemps que je le prévois, que je le planifie. Il y a vraiment plusieurs semaines de taf derrière. Et je vous donne vraiment à peu près tout ce que je fais en essayant de l'avoir compilé. Et important aussi, j'ai essayé vraiment de tout simplifier. C'est-à-dire, je rentre pas forcément dans les détails de tous les trucs très techniques et qui peuvent être chiants. Le but est que je vous explique simplement le concept et que vous compreniez, que vous puissiez aller mettre en pratique tout de suite. Et autre chose très importante, il y a tellement de connaissances dans ces 6 heures de formation que je vous déconseille fortement de tout regarder d'un coup, à moins que vous soyez déjà à l'aise avec les notions, parce que ça peut faire beaucoup. Moi, je vous recommande vraiment de faire un maximum un module par un module. Vous prenez un petit carnet, vous prenez des notes et vous allez mettre en application dans votre jardin, dans le petit terrain à côté, peu importe, et vous essayez de mettre en application ce que je vous apprends dans chaque module à partir des petites notes que vous prenez. Ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre et ça va éviter de vous noyer dans trop d'informations, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'infos dans cette formation et je pense vraiment que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Bref, je vous laisse aller voir le détail de tout ça en description. Il y a un lien pour accéder au pack avec les deux formations plus la ribambelle de bonus. On est à pratiquement 10 heures de contenu où je vous donne tout. Et vous rentrez en liste pour gagner ce petit cadeau et vous avez accès au groupe Facebook. Je vous laisse aller voir ce tout nouveau site web dédié et j'ai hâte de vous retrouver sur le groupe Facebook. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram et tout si vous avez un petit peu commencé et que ça vous plaît. Prenez des notes, apprenez bien, pratiquez bien et j'ai hâte de pouvoir suivre votre évolution. Ciao tout le monde.